Je sens que ça va être une bonne journée. Tout va bien? Oui, patron. Voici une prime. Merci, monsieur. J'en ferai bon usage. Je vais m'acheter un nouvel uniforme, comme dans les films. Alors, qu'avons-nous ici? Oh, oui. Oh, monsieur, il faut frotter. Ça m'éblouit. C'est l'heure de manger. Oh, entrez. Vos beignets, patron. Merci. Allez. À la crème. Comme je les aime. Un vrai bonheur. Pas vrai? Je suis où? Toujours dans la même situation. Dans la vraie prison, les choses ne se passent pas aussi bien. Oh, il reste peut-être quelque chose. Je vais manger les miettes. Entrez, ne soyez pas timide. Est-ce que c'est vraiment? Oui, vous avez grillé un feu rouge. Yeah, on est sauvés. Ici, ici, stop. Regardez l'appareil. Prenez la photo. Dans cette prison, le ringard est un invité respecté. Parfait. Eh, prisonnier. Vous m'entendez? Ah, ces intellos. Cette cellule sera votre seconde maison. Là, installez-vous. C'est trop facile. Quoi? Une prison? T'avais pas remarqué que j'avais encore enfreint la loi? Je ne vais pas m'ennuyer. Mon puzzle préféré. Je connais une technique. Comme ça, encore. Il nous faut plus de prisonniers. Un peu plus, comme ça. La prison ne lui fait pas peur, apparemment. Qu'est-ce qu'il y a? Votre pas, Binoclar. Oh, ça a pas l'air bon. Bon, tenez. Bon appétit. Comment on peut manger ça? C'est inacceptable. Cet endroit a besoin de changements urgents. C'est l'heure du dîner, chef. J'en ai assez de cette bouillie dégoûtante. Rien à faire. Prenez cette cuillère et mangez. Excusez-moi, nous devons prendre des mesures face à cette situation. Je vais vous parler de mon plan. Comment vous êtes arrivé ici? D'abord, nous devons attirer des visiteurs. Attirer qui? Un plan, c'est bien, mais là, on mange. Nous allons inviter un photographe. Un cuisinier. Faire des souvenirs. Ok, et après? Bientôt, cette prison rapportera beaucoup d'argent. Ça, c'est moche. Ça aussi. Ça ne va pas. Vraiment pas? J'ai payé mon billet. Je fais ce que je veux. Pas ça, non. Parfait. Oui, je veux ce dessin. Non, je crois que j'ai changé d'avis. Je paierai le double du prix. Je vais devoir supporter ça. J'ai pas enfin m'entraîner. Un peu de travers, mais ça va. Et là, j'ai l'air cool. Ah, c'est tombé. Waouh, oui. Votre attention, voici le gros bouton rouge. Waouh, quel bouton! Tenez, prenez ça. Yeah, trop cool! Veuillez quitter les lieux. Quel butin! 1, 2, 3. Vous avez vu ce qu'ils m'ont fait? Je suis recouvert de ces stupides dessins mignons. Ici et ici aussi. Comment je vais faire? C'est pas mon problème, Frankie. En fait, j'ai encore des idées. Prenez note. Anthony a encore un plan secret. Et le garde va avoir encore des surprises. Pas question, je ne ferai pas le prisonnier. Et là? Venez. Je vais le faire. J'avais raison, comme d'habitude. On peut aussi mettre des spots. Les visiteurs viendront et feront « Ah !» Et nous, on dira « Payez l'entrée !» Quelle journée merveilleuse! Qu'est-ce que c'est encore? Quelle mission! Excellent! Voyons voir.
C'est trop cool. Je voulais un canapé bleu. Mais non. Pourquoi tu n'aimes pas celui-là? Tu as tout gâché. Bienvenue dans notre super émission, l'évasion. Laissez-moi vous présenter le prisonnier à gauche. Ce sportif est connu pour sa force et son endurance. Il peut franchir tous les obstacles sur son chemin. Regardez ses muscles et ses yeux sauvages. En fait, il doit aller aux toilettes. Le partenaire du sportif à droite est le ringard. Attendez une seconde, mes lunettes ont glissé. Aïe! Le super pouvoir du ringard est de comprendre rapidement les informations. Alors, c'est génial, non? Le sportif et le ringard vont devoir échapper aux gardes. Un garde qui empêchera leur évasion recevra une récompense. Un sac rempli d'argent? Poussez-vous, je ne vois rien. Moi, ça vaut le coup. Donc voici notre première candidate. Ah, je suis un peu gênée. Cette concurrente veut autre chose que de l'argent. Donc, il remplit cette condition. Et celle-là aussi. Arrêtez de soulever des poids. Il faut un plan d'évasion. Grâce à ses talents de détective, Anthony le rusé a compris ce que la gardienne voulait. Et il partage son plan avec le sportif. Ah, qu'est-ce que c'est? Je dois travailler. C'est gênant. Qu'est-ce qu'une telle beauté fait en prison, hein? Tout se passe comme prévu. Il me fait un signe. Je vais aller me faire belle. Hé, hey, chérie, et si on apprenait à se connaître? Comment ça va? Pas mal. Pas mal. Une seconde. Venez là. Oui, levez-vous. Ce serait mieux si vous alliez voir la gardienne vous-même. Comment trouvez-vous notre prison? Ah, désolée. On ne sortira jamais d'ici. Je vous en prie, entrez. Vous avez toutes les caractéristiques sauf deux. Vérifiez, il doit y avoir une erreur. Montrez-moi le livre. Oh, j'arrive. Alors, où sont ces caractéristiques? Attention, tapez-la. Victoire! Peu décevoir et à mauvaise haleine. Mauvaise haleine? C'est comment? Oups, pourquoi vous m'avez fait ça? Malheureusement, la première concurrente n'a pas réussi le défi. Exactement ce qu'il me faut. Candidate Nancy? Je voulais juste un peu d'amour. Le deuxième candidat est un flic vraiment cool. Voyons voir de quoi il est capable. Trouvez quelque chose, c'est vous l'intello. C'est marrant. Il a l'air d'être sévère. Est-ce que le ringard va trouver un plan cette fois encore? Qui, moi? Allez, allez, trouvez une solution. Ouais, montrez-lui. C'est quoi ça? C'est mieux. Ok. Vous voyez? C'est votre tour. J'y vais. Quoique, peut-être que je ne devrais pas. Non, non, je plaisantais. Pas drôle. Silence, compris? Calmez-vous, Franck. Il n'est pas là. Vite, fuyons avant qu'il n'arrive. Vous vous y prenez mal. Allez, écartez-les. Voilà. Mais c'était trop simple. Le deuxième concurrent n'a pas non plus réussi le défi et il ne reçoit donc pas la récompense. On doit faire quelque chose. Ok. Allez. Buvez de l'eau, patron. Qu'est-ce que c'est? Bye bye, les losers. Comment on va le retrouver? Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Regardez. Comment avez-vous pu le laisser entrer dans l'émission?
Mais je ne savais pas. On avait besoin d'argent. On doit retrouver cet escroc. Ok, je vais écrire. Réfléchissons. Mes amis, je sais déjà comment retrouver le voleur. Et vous? Écrivez vos idées dans les commentaires.